Alors, être cinéaste aujourd'hui, c'est déjà avoir la chance de faire du cinéma, parce que c'est un métier très dur, très compliqué, et il y a beaucoup de réalisateurs qui n'ont pas la chance de pouvoir en faire. Donc, être cinéaste, c'est déjà avoir cette chance-là. C'est vivre des émotions compliquées aussi, parce qu'on attend, on écrit un projet, on attend parfois plusieurs mois les réponses de comédiens, parfois la réponse de chaîne. Et puis quand le téléphone sonne, ça peut être positif et ça peut être négatif. Et parfois, il manque pas grand-chose pour que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Donc c'est vraiment assez difficile. Mais en même temps, c'est magnifique parce qu'on a la chance, je pense, d'observer le monde et de le transmettre à notre manière dans un scénario, en créant des personnages, en construisant un récit et en juxtaposant comme ça des séquences et en donnant l'illusion aux spectateurs que tout ça est réel. Donc voilà, c'est ça, c'est magnifique et compliqué à la fois. Donc voilà, et puis être cinéaste en France, bah, c'est aussi une chance parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde dans lequel le cinéma n'existe pas ou n'est pas diffusé dans des salles. J'ai visité pas mal de pays où il n'y a pas de salle. Donc nous, on a vraiment beaucoup de chance. Et c'est aussi lutter, du coup. Il faut lutter pour qu'on puisse encore faire du cinéma et toujours faire du cinéma parce que c'est une expérience unique. Aller en salle, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut vivre nulle part ailleurs. Donc le cinéma, ça se voit au cinéma et les films peuvent se voir n'importe où, aussi bien sur une télé, sur un écran, n'importe quel écran. Mais le cinéma, c'est au cinéma. Le cinéma, ça sert à révéler la part d'humanité qu'on a, qu'elle soit ce qu'il y a de ce qui est plus beau et en même temps ce qui est plus dramatique, triste, ce qui est plus fascinant, ce qui est plus grotesque. Voilà, c'est ça, révéler l'humanité de notre humanité.